parmi tous les échanges, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée parce que j'y crois profondément, c'est donner l'envie aux enfants d'apprendre et leur donner le goût, en fait, d'apprendre. Qui a retenu mon attention, c'est la confiance qui a été évoquée, le niveau de confiance, le besoin de confiance, parce qu'il y a une sorte de trio, enseignants, parents et élèves. Que les parents aient confiance dans l'école, mais que ce soit réciproque et que tout le monde travaille ensemble avec la communauté éducative. Il n'y a que comme ça que tout le monde peut être épanoui. Les pistes qui m'ont particulièrement parlé, c'est le thème de la confiance. Développer la confiance chez les enfants pour qu'ils puissent grandir en même temps que l'apprentissage. Donc ce qui compte, c'est la confiance, c'est les connaissances, mais aussi leur savoir-faire, leur savoir-être, leur oralité, et c'est ça qui m'a frappée. Le sujet de l'évaluation, et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est le lien avec les parents. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur comment travailler l'évaluation en tant que professionnel, mais aussi comment communiquer sur l'évaluation avec les familles. Certaines pistes, notamment sur le fait qu'on puisse être évalué sur des exercices connus. Ce qui était important, c'est de pouvoir individualiser le parcours de formation des jeunes grâce à ces outils de l'intelligence artificielle. La piste qui me touche le plus, c'est la différenciation et la mixité. Parce qu'on en parle beaucoup depuis très longtemps, mais c'est pas toujours à l'œuvre et pas toujours facile. Les interventions d'hier, c'était apprécié et appréciable, c'est de voir que déjà on écoutait la parole des enfants. Voilà, on s'est repositionné du côté du jeune. Tout ce qui est école inclusive, de pouvoir, avec les enfants, accueillir tous les enfants dans la bienveillance et dans un esprit de concorde.